Chers amis, encore une fois, toujours aussi heureux de vous retrouver pour une nouvelle histoire de couple. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire dramatique. Il y avait un couple qui m'a été envoyé par le tribunal après que le mari ait été arrêté, éloigné de la maison, en plus d'une dizaine de jours, tout simplement parce que les voisins avaient entendu des cris à la maison, avaient entendu la femme crier avec le mari, qu'ils ont appelé la police et qu'ils ont soupçonné qu'il y avait des problèmes de violence. Dans le doute, les policiers ont préféré éloigner le mari quelques jours de la maison. À cause de ça, un manque de confiance s'était établi dans le couple et les voisines ont commencé à se mêler de l'histoire. Très vite, les voisins ont compris que le mari était très jaloux de sa femme, qu'il n'acceptait pas qu'elle puisse parler avec d'autres personnes, qu'elle puisse travailler dans un endroit avec, où il y a des hommes, des collègues, etc. Et très vite, les langues des voisins ont commencé à fourcher et arriver à des conclusions qu'ils se trompaient, qu'ils se frappaient, etc., etc. Avec toutes les tensions qui s'étaient créées entre eux, et toutes les mauvaises paroles qu'ils avaient dans cet entourage, dans ce voisinage, ce couple-là est arrivé au stade d'avoir la police à la maison et le mari est arrivé au stade de demander le divorce. Lorsque j'ai reçu ce couple, en réalité, ils n'avaient pas vraiment de problème de couple. Et en réalité, ils n'étaient pas vraiment jaloux, le mari. Il y avait un problème avec un collègue de son épouse, qui appelait à la maison à des heures qui n'étaient pas convenables et qui se permettait d'envoyer des SMS avec des annotations et des smileys qui étaient un peu déplacés par rapport à une femme mariée. Il lui envoyait des cœurs, il appelait « ma chérie »,« ma beauté », des choses qui ne se faisaient pas par rapport à une femme mariée. Et que la femme disait « bon, c'est un collègue, il est lourd, mais elle ne calculait pas. Il parlait uniquement du travail ». De là, c'est arrivé le stade, quand le mari a parlé de ça avec les voisins ont dit « oui, elle le trompe, etc. etc. » Ils ont failli détruire un foyer. Combien de fois ça arrive? Les drames du Lashon Hara et du Motsi Shemra. Une catastrophe. Combien de couples se retrouvent sous tension aujourd'hui? Combien de couples se retrouvent au bord du précipice et des crises à cause de ce même Lashon Hara, de ce même Motsi Shemra? La Torah nous dit Ezewa make beseter et ravero, qu'il y a un interdit de frapper son ami en cachette. On nous pose la question, quelle est cette personne qui frappe son ami en cachette? Celui qui fait du Lashon Hara, celui qui fait de la diffamation du Motsi Shemra, celui qui rapporte un fait qui est vrai et qui va tout simplement le rapporter aux autres sous un angle négatif, pour qu'on pense du mal de la personne dont on est en train de parler, volontairement ou involontairement, ou un fait qui pourrait être interprété négativement de l'autre, ou encore diffamer, ou encore inventer, ou encore aboutir à des conclusions un petit peu trop rapides. On peut arriver à détruire des mondes, on peut arriver à détruire des familles, on peut arriver à détruire des couples, on peut arriver à détruire des personnes avec cela, des réputations. Combien on doit faire attention à cela? Ce couple, j'ai dû les faire déménager, je les ai vus, il y a eu quelques réglages et aujourd'hui ils sont très 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 heureux. Baruch HaShem, il n'y a plus de cris, il n'y a plus de tension, il n'y a plus de voisins pour appeler la police. Il n'y a plus de voisins pour arriver à des conclusions négatives.
C'est-à-dire, dans votre couple, la chose que vous devez arriver à comprendre et qui est très important, c'est que vos problèmes intimes, vos problèmes personnels, parfois vous pensez vous confier à des amis, à des voisins, à des connaissances, mais les conséquences de ce qui peut être compris et répété peuvent être dramatiques. Raison pour laquelle moi je conseille tous les couples de régler leurs problèmes en interne entre eux, de discuter entre eux, de prendre conseil auprès de gens, soit des professionnels, soit des gens qui sont véritablement de confiance et qui savent se taire et qui ne vont pas arriver à des conclusions. Il faut faire très attention à cela. Tout simplement pourquoi ? Pour préserver son couple. On nous rapporte que pour vivre heureux, il faut savoir vivre caché. Ça veut dire quoi, tout simplement ? Il faut savoir vivre avec pudeur. Ne pas parler de ses problèmes avec tout le monde, ne pas déballer ses problèmes à tout le monde. C'est une règle pour éviter de voir des tensions et des nouveaux problèmes prendre des proportions incroyables qui peut nous faire arriver à des points de non-retour, chas v'shalom, ou arriver des gens à des points de non-retour, chas v'shalom, dans leur vie, dans leur couple, dans leur choix. Bezrat Hashem, qu'on ait tous la bracha et la hatzlacha, que Dieu nous protège, et nous-mêmes de faire du lashon hara ou du motzi shamra, de mal parler des autres, ou d'avoir des propos qui peuvent engendrer une catastrophe chez notre prochain, ou d'être victime de propos qui peuvent engendrer des catastrophes chez nous. D'apprendre, tout simplement, à devenir intelligent. Nos sages nous disent qu'avant de parler, il faut savoir retourner sa langue dans sa bouche 101 fois. Pas cette fois, 101 fois. Prendre le temps avant de parler. Shtika siag le chokhma. Ce qui va définir l'intelligence d'une personne, ce sont ses silences. Sa capacité de savoir, se taire et de parler que quand c'est véritablement nécessaire. Surtout, et là, on fait référence surtout de parler de son prochain ou de parler des problèmes des autres. Bezrat Hashem, que Dieu nous protège, qu'on ait la bracha, la hatzlacha, et que son renforce tous sur ce point-là pour arriver avec notre bouche à faire le bien et non le mal. Amen, Kenny Ratson. À très bientôt.